Salut tout le monde, ici Yakipan pour une vidéo de présentation assez particulière sur Dust Force ou Dust Force DX. Je sais pas comment vous voulez l'appeler, moi je ne sais pas non plus. Donc nous nous retrouvons avec un petit gars, avec un balai, là il donne des coups de balai, un coup de balai rapide, un coup de balai très fort. Et on peut sauter, on peut dasher, bref on peut faire plein de choses. On peut même grimper sur les murs, regardez. Hop. Et on peut même rester là-haut et marcher sur les murs. Bref. Donc, ce qui est bien avec ce jeu, c'est que, ben voilà, hein, je suis allé là sans faire exprès. Nous avons des level editors, ce qui est plutôt bien. Les custom levels et la community MacPack. Vous savez, c'est via Steam, donc le workshop, tout ça. Et ça fonctionne vachement bien. Ensuite, nous avons le multiplayer, qui est pas très bon de souvenir. Ouais, de souvenir, ça craignait grave, en fait. Donc je suis un peu déçu. Le Nexus, ça veut dire là où on doit aller. Et ça, je vais pas tomber jusqu'en bas. C'est le tuto... les tutos en fait. Tout simplement. Les tutos pour commencer à jouer, apprendre à jouer, tout ça. Et avant, cela n'existait pas. Ensuite, nous avons les Tomb of Level. Donc comme vous voyez, vous avez 4 livres. Et les 4 livres répertorient vos niveaux. Les niveaux que vous avez trouvés dans le vrai jeu. Par exemple, là, j'en ai plein. C'est un jeu que j'ai fait il y a très très longtemps, donc s'il vous plaît, ne me butez pas si je suis nul ou quoi. Donc voilà, normalement on commence pas ici, mais c'est pas grave. Dans le jeu il y a 4 zones, et pas calzone, s'il vous plaît, on n'est pas là pour manger de la pizza. Il y a la forêt que nous avons ici, les ruines que nous avons juste après, puis s'ensuit... pas la déchetterie mais la ville, et enfin pour finir niveau un peu futuriste. Donc là je me balade dans les niveaux, hein, c'est pas les niveaux, voilà, ça c'est la... Non, vous devriez commencer ici, sinon je comprends pas pourquoi. Et je vais vous montrer le premier niveau pour que vous compreniez ce qu'il en est. Donc Dust Force, c'est un jeu de plateforme. C'est parti. Donc voilà, si vous avez un balai, ben c'est pour balayer, hein. Et s'il y a des petits monstres en l'air, c'est pour les buter. Un coup de balai. Ah, j'en ai loupé un. Bonsoir. J'ai loupé un petit bout, c'est pas grave. J'espère que ça va pas être handicapant pour ça. Si, ça l'est. Parce que je peux pas tout vous montrer. Si, bon allez, on va prendre notre temps. En bas, vous voyez, il y a un combo qui vient de s'arrêter, 103. Dès que vous atteignez 100 points, via tuer les monstres comme ça, ou juste en... époussetant, on va dire, la poussière et les feuilles, vous gagnez votre barre en bas, et dès que votre barre est pleine, vous faites un coup faible et un coup fort pour buter tous les monstres et nettoyer aussi ce qu'il y a aux alentours. C'est un peu... c'est pas forcément, on va dire, du random, mais il faut savoir l'utiliser. Bon, j'ai pas eu de bon score, mais c'était fait exprès pour vous montrer. Maintenant, je peux vous montrer le deuxième niveau, je pense, ouais, celui-là. C'est parti. Qui est un peu plus technique. Parce qu'il faut grimper sur les murs, tout ça. Et hop, voilà. C'est quand je vous explique qu'on peut grimper sur les murs, c'est vraiment on peut grimper sur les murs. Et c'est fait pour. Par contre, ce qui est un peu relou niveau gameplay, c'est que votre personnage s'accroche toujours au mur. Quoi qu'il arrive. Et c'est un peu relou parce que des fois, vous voulez pas forcément qu'il s'accroche au mur. Hop là. Bon, déjà, j'ai mon combo de fée. Alors... maintenant, petite explication, pour avoir un rang S, hop, sur les deux, c'est-à-dire en complétion, ben, c'est pas compliqué, vous avez juste à tout nettoyer, et la finesse, en fait, c'est votre combo. Plus votre combo est grand, et plus votre finesse aura un meilleur score. C'est-à-dire, si vous faites le combo vraiment maximum, ben, vous avez un S, sinon, vous tapez un A, ou un B, ou un D, ça peut arriver, parce que... parce que je suis pas très fort. Donc voilà, ça c'est la vraie carte. Où il y a tous les niveaux. Enfin, à vous de les trouver aussi. Parce qu'il y en a qui sont bien cachés. Croyez-moi. Là par contre, j'ai un petit souci. C'est que... depuis le jour où j'ai commencé ce jeu, il y a pas mal de mises à jour. Et il y a des niveaux que je ne peux pas faire. Parce qu'il dit que j'ai moins 10 clés de bronze. Voilà. Donc c'est chiant. Votre but dans ce jeu sera de faire les niveaux des millions et des millions de fois.
Tout simplement parce que... Il faut... Voilà. Tout simplement parce que... Il faut que vous collectez les meilleures clés. Et pour collecter les clés, eh bien, c'est pas compliqué. Il vous faudra d'abord utiliser vos clés de pierre pour débloquer les niveaux de pierre. Les niveaux de pierre vous donneront des clés d'argent et les clés d'or. Et les clés d'argent vous donneront des clés d'or. Et les clés d'or vous donneront des clés en rubis. Ok, donc ça, c'est la fin du niveau, c'est pas grave. Et les clés en rubis sont des niveaux très, mais vraiment très difficiles. Je peux pas vous en montrer parce que ben, je sais plus où ils sont déjà les niveaux. Je sais qu'ils sont planqués. J'ai essayé en, on va dire en cachet d'y avoir accès et j'ai pas trouvé. Bon, ce niveau, je sais même plus comment on fait pour l'avoir. Je crois qu'il faut rester là. Je sais plus. Bref, ça c'est la carte normale. Ah non, j'étais presque. Je vais voir si j'y arrive au moins. Mais en fait, parce qu'après, je saurais pas m'en sortir, donc... Wow. Il y a de tout partout. C'est à vous de trouver les niveaux, à vous de faire vos rangs S, vos rangs A, tout ça. Ah, punaise. La maniabilité de ce jeu, des fois, c'est hallucinant. Tout se joue au clavier. Je vous le conseille, parce qu'à la manette, c'est encore plus compliqué. Vous savez vraiment pas où il faut aller... Enfin, c'est vraiment mal, enfin, pas mal foutu, mais un peu quand même, je trouve. Et voilà. Donc, je vais vous remontrer un autre niveau, par exemple celui-là, hein, je prends vraiment au hasard. Et je sais même plus jouer, en fait. Avant, je connaissais vraiment les niveaux par cœur, quoi. Hop. Non. Hop là. Non, ce qui est pratique dans ce jeu, c'est que dès que vous tuez un ennemi, vous pouvez refaire... Merde. Ok, j'ai raté, c'est pas grave. Vous pouvez refaire un double saut. Donc ça, c'est plutôt pratique. Moi, j'ai bien aimé. C'est surtout plus pratique pour grimper, tout ça. Non, d'abord, on fait ça. On prend ça pour pouvoir sauter. Ah, j'allais pas assez vite. Bon, voilà. J'ai pas pris celui du haut, c'est pas grave. Normalement, j'aurais pu me coller au mur, j'y suis pas arrivé, je sais pas pourquoi. Alors, petite technique, vous l'apprendrez si vous faites évidemment le tuto. Si vous donnez des petits coups, vous pouvez buter les monstres. Si vous donnez des grands coups, évidemment, vous pouvez aussi buter les monstres. J'utilise pas les grands coups, parce que je n'aime pas du tout le fait que si vous êtes contre un mur, en fait, toutes les feuilles du monstre se collent au mur. Hop là. Et c'est un peu chiant. Je déteste ça. Parce que je trouve ça chiant, tout simplement. Donc voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que vu que c'est sur Steam, vous pouvez regarder par exemple ce qu'a fait le premier. Donc le tout premier player à être allé le plus vite. Voilà ce que ça peut donner. Hein, c'est vraiment une différence de niveau. C'est assez incroyable. Là, il a utilisé un grand coup, mais comme il n'y avait pas de mur à côté, ben, ça ne s'est pas... les feuilles ne se sont pas écrasées, on va dire, sur le... Ok, donc il a utilisé son méga pouvoir pour nettoyer les trucs qu'il avait laissés en bas. C'est ingénieux, j'ai envie de dire. C'est surtout pas moi qui arrivera à faire ça, quoi. C'est vraiment abusé, quoi. Les types, ils sont vraiment entraînés. Ça se voit. Mais ça qui est rigolo, c'est que ça peut vous donner des idées de comment passer certains moments ou certaines choses. Donc c'est plutôt sympa de regarder les replays, moi j'aime bien. Puis je sais pas, je trouve ça impressionnant, j'aime bien tout ce qui est un peu speedrun, tout ça. Donc voilà, ça c'était la forêt. Et je pense que vous en avoir dit assez sur le jeu en soi. Ah si, j'ai oublié de vous dire qu'on a le choix entre... Oh tiens, un niveau que j'ai jamais fait. Que vous avez le choix entre 4 personnages. Dont le balai, la serpillère, les plumeaux, c'est un personnage très rapide et je crois qu'on peut faire un triple saut, mais je suis pas sûr. Et le vieux qui est très lent, mais qui a une puissance de très forte d'attaque. Bon allez, c'est parti, on va tester ce niveau. À mon rythme, hein, parce que... Oh là là, c'est une catastrophe. Je suis une grosse catastrophe. Mais tant que vous faites un gros combo et que... Et que vous complétez tout,
Vous pouvez facilement avoir un S, hein, je vous le dis, c'est pour vous. Ah non, 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 je veux avoir des S. Ok. C'est pas trop dur, en fait. Oh, non. Ce niveau, ça va encore. C'est pas très difficile. Allez. Non, là-bas, voilà. Je crois qu'il y a qu'un ennemi. Ah, j'en ai raté. C'est pas fini. Ah non, je suis tombé. J'aurais dû sauter en plein milieu, en fait. Ah, putain. Le fait de tuer tous les ennemis, en fait, ça finit le niveau. Enfin, ça dépend, c'est un peu compliqué. Ah, cool, j'ai une clé quand même. Bon, c'est bien. Mais j'arrive à moins 9, c'est pas mal. Faut vraiment que je fasse tous les niveaux. Ah, encore un niveau que j'ai pas fait. Mais en fait, depuis la mise à jour, ils ont fait au taquet niveau, parce que ceux-là, ils existaient pas. Mais en fait, s'ils les ont ajoutés, c'est qu'ils existaient pas. Tu dis n'importe quoi. Le mec, il dit n'importe quoi. Il stresse tellement, en fait, d'être un minimum bon pour la vidéo que... Il dit n'importe quoi, le gamin. Ouh, quel gros naze. Je déconne. Non, j'essaie quand même de faire quelque chose de pas mal, parce que, bah... Vous montrer que je sais y jouer, mais... Pff, avant, j'allais 10 fois plus vite que ça, quoi. Et là, en fait, je vise plus le rang S. Je vise pas... Oh là là. C'est une catastrophe, hein. Mais avant, j'étais vraiment bon, je sais même pas comment j'ai fait. J'ai vraiment ma vie à perdre, en fait, dessus. Oui. Ah, en fait, je l'ai loupé. C'est pas grave. Ah, c'est pitoyable, hein, de regarder un mec qui essaye de... C'est bien de regarder du let's play. Donc voilà, c'est à peu près... Dust Force dans toute sa splendeur, hein, c'est... J'aime beaucoup ce jeu, en fait. C'est... La musique, la bande-son est géniale, hein. Je le dis jamais assez, que moi, je juge assez vite un jeu en fonction de sa bande-son. Et hop là. Eh ben, je m'en suis pas si mal sorti. J'aime beaucoup la bande-son, elle reste bien en tête et... Je sais pas, je la trouve originale. Ouais. Cool. En fait, quand vous avez un double essai, je pense que vous avez une clé. Je pense qu'on peut, de suite arrêter le mystère et dire que c'est ça. Ah non, je veux monter là-haut, mais je sais pas comment faire. Je sais pas. Je sais pas du tout comment faire. Bon, c'est pas grave. Je sais plus comment faire, parce qu'avant, je le savais. Donc là, on arrive sur la troisième zone. Hein, c'est la ville où il faut nettoyer des détritus et plus de la poussière. Il y a des niveaux que j'ai jamais fait, je sais. Et enfin, nous finissons par les niveaux assez compliqués. On va voir s'il est dur, lui. Waouh. Avec des blobs un peu partout. C'est assez bizarre, comme... Oh non. Ah, putain de merde. Ah, c'est bon. Bon, en fait, faut grimper sur les murs et tout. C'est super compliqué, quoi. Faut connaître le jeu, en fait, pour pouvoir faire tout comme il faut. Ça, en fait, ça viendra. Ça viendra, et puis, je vous l'ai dit, vous regardez les speedrunners du jeu, et vous pouvez voir facilement ce dont vous avez besoin pour finir les niveaux. Tout ça, quoi. Non, non, non. Hop là. Ah, mais j'ai loupé un truc, non. Ah, c'est dommage. J'ai loupé un petit truc en bas, là. Tant pis. C'est pas grave. Il faut que je vais avoir une clé. Ouais, en fait, c'est... Ah, dès le double A, en fait, vous avez une clé. Et si vous avez un double S, bah, c'est mieux. Parce que c'est plus joli, déjà. Et qu'il y a... Le seul succès du jeu, normalement... C'est de tout avoir en S. Et c'est le seul succès Steam du jeu. Donc voilà, c'était ma petite présentation de Dust Force. Hein. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir ce jeu. Parce que je sais qu'il y a des friands de plateformes. Et moi-même, j'adore ça. Mais il faut que je m'y remette vraiment à ce jeu parce qu'il était vraiment génial. Et je sais pas, c'est un peu de nostalgie aussi, je trouve. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas qu'on a un TS pour discuter, jouer, ou dire par exemple qu'on est des cons, enfin je sais pas, ça peut arriver. Non, c'est surtout pour jouer, avoir une petite communauté sympa, en plus, on modère tout ça, donc c'est pas normal si vous rencontrez des gens bêtes, non, je sais pas.
Enfin bref, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine et merci encore d'avoir regardé la vidéo. Allez, ciao tout le monde.